Salut à tous, Détournement Fred, épisode 41. Oui, un du chiffre mythique et geek. On y va, on va y arriver. Donc, pour ce 41e épisode, je vais vous parler d'un terme qu'on emploie souvent pour les personnes qui sont un brin insatisfaites de l'offre linuxienne, le distro-hopping. Distro pour distribution, hopping, en anglais to hop, c'est sauter. Comme grasshopper, c'est la sauterelle. Traduction littérale, saute dans l'herbe. L'herbe qu'on coupe, pas celle qu'on fume. Hein. Donc, grasshopper, distro-hopping. C'est pour des personnes qui recherchent une certaine perfection dans le monde Linux qui n'existe pas, de sauter de distribution en distribution jusqu'à trouver son bonheur. En clair, jusqu'à trouver ce qui est le moins pire. Ou le meilleur pour la personne en question. Quand j'ai commencé en 1996, il y avait beaucoup moins de choix qu'actuellement, mais j'ai fait quand même pas mal de distro-hopping. 3 jours sur RSQware, 8 jours sur la Red Hat, 4 jours sur les Mandrake, et ainsi de suite, jusqu'à trouver mon bonheur. En 2003-2004, j'ai passé 4 mois avec la Mandrake 9.1 ou 9.2, je ne sais plus très bien, 2003-2004, puis une période où je suis retourné sur Windows, et enfin en 2006, je suis arrivé avec la Ubuntu 6.06 LTS, la Dapper Drake, et je suis resté stabilisé sur cette distribution jusqu'en 2008-2009, où j'ai fait un dernier bond, quasi constant, vers l'Arch Linux. Voilà, en gros, c'est ça mon parcours. Mais je peux vous dire qu'entre 96 et 2006, il y avait tellement de distributions qu'on pouvait sauter d'une à l'autre sans aucun problème. Même, c'est pas mal de parenté. Ce qui peut expliquer le distro-hopping, c'est le nombre important de distributions. Et oui, je vais encore utiliser DistroWatch. Et oui, désolé, ça va encore utiliser ce site que tout le monde déteste, mais qui a au moins un point intéressant, c'est que c'est une bible pour l'indexation des distributions. On va passer sur la page de recherche, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Voilà. On va tout même en français, ça va peut-être un peu mieux. Donc, recherche. Donc, voilà, vous voyez, on peut choisir. Donc, je vais prendre des Linux uniquement. On va prendre basé sur Debian. Toutes les versions, et donc, par extension, ça passera aussi avec Ubuntu-like. Et, non basé sur Ubuntu. Donc, déjà, on va faire une petite recherche. Donc je vais prendre uniquement les Debian, en excluant toutes les Ubuntu, et on va prendre par exemple Plasma. Regardez le Plasma. Et on va voir le nombre de réponses qu'il va y avoir. Donc nous avons 5 réponses. C'est pas si mal que ça. Donc ça veut dire qu'il y a 5 distributions qui se basent sur les diverses serveurs de Debian avec Plasma. GNOME. Norgnomi, voilà. Même principe, en excluant Ubuntu, on arrive à 17 réponses. C'est pas si mal que ça, ça veut dire que si une personne cherche une Debian sous Ubuntu, elle peut faire 17 bons différents jusqu'à trouver la sienne. On va dire même plus, Gnome peut faire 17 bons jusqu'à trouver la sienne. Pas mal. Maté. Uniquement 10. Mais ça permet de montrer que si on cherche par exemple une Debian Smith Mate, on peut faire boum boum boum, 10 bons jusqu'à trouver la sienne. Quitte parfois à dire, bon, ben, je vais revenir à servir ma distro-mère et ma sienne dessus. Bref. Maintenant, on va regarder les Ubuntu. Même principe, Ubuntu. Voilà, donc notre base d'onde, on va désactiver. Là, donc on va mettre Ubuntu. Voilà, on va prendre Ubuntu plus Mate. Il va y avoir 3-4 réponses, je pense. Ah, quand même! Ubuntu plus Mate, 13 réponses. Putain, je pensais pas qu'il y en avait autant. Ubuntu plus Plasma. Vous voyez comment on peut. KDE Plasma. Comment on peut justifier le distro-hopping? On cherche quelque chose, on se dit bon, je cherche ça et ça, et boum, 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 on saute. Ah, par contre, Ubuntu plus Plasma, il n'y a que 3 réponses. Il y a déjà moins de choix. Et on peut faire ainsi de suite pour toute distribution. Donc le distro-hopping, c'est en gros, je cherche mon bonheur, puis ça va pas, donc je cherche une autre. C'est vrai que quand on voit qu'il y a par exemple 17 ou 20 choix pour Ubuntu, enfin Debian plus Mate, on n'a que l'embarras du choix. Après, bien sûr, on s'arrête sur une distribution, qu'on a trouvé son bonheur. Donc, pour moi, le distro-hopping, je l'ai connu parce que je n'étais pas satisfait de l'offre à l'époque. Je faisais une distribution à une autre parce que une supportait mes matériels, l'autre supportait avait une version plus récente du logiciel, supportait mes matériels.
Donc c'est toujours la recherche du constant équilibre. Voilà. Donc, voilà comment on peut expliquer le distro hopping. Chercher son bonheur, le chercher, jusqu'à qu'on finisse un jour par le trouver. Mais il faut savoir faire contre mauvaise fortune bon cœur. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye!